La vidéo du jour, du coup, je vais créer un carnet à coloriage. Donc, c'est-à-dire que je ferai des primes que en noir et que les gens, potentiellement les enfants, mais pourront les colorier sous une idée de mon amoureux. Je suis trop refaite de cette idée parce que ça va être trop cool, c'est sûr. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans la confection de cela. Là, je pars de zéro, donc je sais pas trop où je vais aller. Mais ça va être trop bien, c'est bien. Alors, grosse réflexion de format pour ces carnets. En fait, je pense que je vais faire simplement le plus simple, en fait, un A4 plié en deux, qui fera donc un carnet format A5. Et dedans, je vais essayer de mettre, comme c'est des multiples de paires, de 4, pardon, puisque enfin, un pli en deux, ça fait 1, 2, 3, 4 recto verso. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Ça, c'est une feuille. Voilà. Et du coup, je pense que je vais faire 8, 12 pages. 12 pages, c'est bien. Plus peut-être la couve. Voilà. Est-ce que je fais recto verso de tout? Je ne sais pas. Je pense que je vais faire une petite explication au début, genre que c'est un carnet de coloriage, quoi. Et ensuite, on imprimera. Mais bon. Ça va prendre un certain temps. Voilà, c'est parti! J'ai trop hâte. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis partie en méga freestyle. Et en fait, après, par la suite, je me suis dit, ok, partons sur des dessins animaliers, purement animaliers. Donc je suis partie sur le thème animalier, sur tout le carnet de coloriage après. En fonction de ce premier dessin qui m'est venu comme ça. Jour 2, je suis à la Funky Fabric cet après-midi et du coup j'en profitais pour avancer à fond. J'avais complètement oublié de filmer, en fait là je viens de faire déjà un nouveau dessin que je vous affiche ici sur l'écran en meilleure qualité. Et c'est parti pour en faire d'autres. Me revoilà, Mittenberg, en direct de la Funky Fabric. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, j'arrive vraiment à focus sur le travail seulement quand je suis déjà au travail finalement. Du coup là je fais la couve ce matin, enfin ce matin, il est 14h. Je me suis levée il y a peu. Du coup, étape de la couverture, alors ça m'enchante fois 10 000. Par contre, ben, un peu pression. Bon, vraiment petite pression, mais... Mais il faut que ce soit joli parce qu'il faut que ça donne envie aux gens de l'acheter en fait. Voilà. Et du coup, bah, je vais mettre de la couleur contrairement à l'intérieur puisque c'est un carnet de coloriage. Si on colorie déjà, ça n'a pas de sens. Mais du coup, je voudrais que la couve soit semi-coloriée, semi-pas coloriée. Je sais pas si ça va rendre bien ou pas. Là. Ouais, non, mais en fait. Je vais vous mettre sur l'écran la version brouillon que j'ai fait. Du coup, vous aurez la version finale. Hein, mais... Pour l'instant, hésitation fois 10 000. Voilà. Mais je voulais, je voulais vous parler un peu de ces avancées. Et je repars travailler en ermite. Des bisous! Voilà, c'est ça l'imposition. Il y a un bourrage papier. Et je vois pas où est le papier. C'est les aléas de l'impression, j'imagine. Mais elle est ressortie. C'est tout sale. Entre temps, j'ai dû aller racheter du papier. Ok, j'ai commencé à imprimer les couves.
Mais il y a des déconvenues, c'est-à-dire qu'il y en a impression sans bordure, pas du tout. Il y a une bordure ici et il y a un peu d'encre. On va rattraper tout ça au massicot, on le sait, mais c'est quand même chiant. Voilà, ça avance, ça avance. Là, j'ai mes 5 exemplaires avec toutes les feuilles à l'intérieur. Et prochaine étape, reliure. C'est la partie finale, du coup, je viens de finir de les mettre ensemble. Voilà, je suis au bout du rôle. Et de les massicoter pour qu'ils soient tout bien, tout beaux. Et les voilà en boutique. Je suis trop contente de ce projet. Ça fait trop plaisir parce que c'est mener un truc de A à Z, de la conception dans la tête à la vraie conception. Et bah, la Funky me permet de faire ça en me disant que ça aura peut-être une. Je vais peut-être être payée pour faire ce projet. Et c'était vraiment trop cool, j'ai envie d'en faire plein d'autres de ce style. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça a l'air chouette, que ça vous donne envie de venir à la Funky pour feuilleter ce carnet de coloriage. Voilà, je vais en faire 1000 autres sans doute, même si personne ne les achète. Bon, au bout d'un moment, je m'arrêterai, mais. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et donnez-moi de la force pour continuer mes projets. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.